Mieret? Oui. C'est loin? Vous verrez bien. Allez, montez. On a beau dire, la campagne, c'est toujours un peu triste. Les gens doivent pas s'amuser comme des fous par ici. C'est tout ce que vous avez comme chaussures? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas. Fais l'innocente, va. Comment vous appelez? Joseph. Il ne manquait plus que ça. Ralph, viens, Ralph. Tiens, qu'est-ce que tu fais par ici, toi? Oh, rien. Alors, et cette chasse? Oh, je l'ai rencontrée, alors je lui ai acheté ça seulement. Oui, comme d'habitude. Dis donc, c'est toi qui fais ça, c'est très joli, tu sais. Oh non, c'est ma maman. Tiens. Tu es bien sale, tu sais. Allez, mouche-toi. Plus fort. Allez, sauve-toi. Eh ben, vous n'êtes pas très propre non plus. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Je me suis levé à 14 ce matin et j'ai fait plus de 10 km dans les bois, alors. Et qu'est-ce que vous avez tué aujourd'hui? Oh, pas grand-chose. Ah non, je vais pas voir ça. Vous ne trouvez pas que les animaux sont bien plus beaux vivants que morts? Mais la chasse, c'est la chasse. Il faudra bien faire attention à ça, ma fille. C'est très fragile. Mon père y tient beaucoup et ça coûte très cher. Bien, madame. Vous êtes casseuse? Oh non, madame. Vous dites toutes la même chose, mais malheureusement, les faits démentent les paroles. Où allez-vous? Enlevez vos chaussures, voyons. Mon père est très strict là-dessus. C'est un tapis de Chine, très précieux. Quand on vient du jardin, on a toujours un peu de terre. Tout le monde se déchausse ici, sauf mon père, évidemment, mais lui, c'est la propreté même. Ah, ça aussi, il faudrait faire très attention. Ça coûte les yeux de la tête. Surtout en époustant, la nacre et l'ivoire se décollent. Oui, madame. Au fait, est-ce que vous êtes très propre? Ah oui, madame. Je passe sur bien des choses, mais sur la propreté, je suis intransigeante. Avez-vous beaucoup de mémoire? Oui, madame. Ça, vous n'y touchez pas, c'est moi qui m'en occupe. Bien, madame. On voit que vous venez de Paris, ce genre de robe, ça n'est pas fait pour la campagne. Dites-moi, vous êtes au service de mon père. C'est moi qui vous ai prise, c'est vrai, mais... Enfin, il faut que vous plaisiez à mon père. Bien, madame. Mon père est un homme exquis, un homme comme on n'en rencontre plus. Il a des caprices, des habitudes très compréhensibles pour son âge.
Tâchez d'être très gentille avec lui. Je tâcherai, madame. Bon. Allez changer de robe. Surtout, détendu. Bien détendu. Retenez votre souffle. N'appuyez pas trop fort. Eh bien, allez, qu'est-ce que vous attendez? Bravo! Bravo, mais vous n'aviez jamais tiré. Je ne crois pas. C'est très bien, très bien. Je croyais que vous aimiez les papillons. Oui, oui, je les aime. J'aurais préféré le rater. Oh, allez donc faire votre toilette. Cette barbe est vraiment déplaisante. Ce qu'il est beau, ce papier à lettres. C'est une couronne, ça? Oui, ça vient de chez la duchesse. Célestine, elle a écrit votre nom sur la photo. Et celui-là avec le cheval, qui c'est? Ah, c'est William. Il a gagné le Grand Prix de Longchamp il y a 2 ans. William, c'est un Anglais. Penses-tu? Au moins, vous, vous avez connu du beau monde. Comment c'est ici? Le père de madame, il est bien gentil, bien bon, bien poli. Et elle? Elle? Une vache, ça se voit tout de suite. Elle compte les morceaux de sucre, elle enferme tout. Toutes les mêmes. Et monsieur? Lui? Ah. Merci pour le tuyau. On voit bien que vous venez de Paris. Vous en avez de belles choses dans votre valise. Mais qui êtes-vous? La nouvelle femme de chambre, monsieur. Ah, oui, oui, oui. Entrez. Entrez. Monsieur? Bonjour, bonjour. Je voulais ma robe de chambre. Je l'ai laissée sur mon lit, ma sortie de bain. Bien, monsieur. Quel est votre nom? Célestine, monsieur. Un joli nom. Très joli nom. Et vous vous habituez ici? Je ne suis arrivée que de ce matin, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Je demande pardon à monsieur. Où se trouve la chambre de monsieur? Mais pourquoi, Célestine? Pour le peignoir de bain, monsieur. Ah, oui. Au fond du couloir, vous voyez? Célestine, où allez-vous? Monsieur m'a demandé d'aller chercher son peignoir de bain. Son peignoir de bain, mais il est dans la salle de bain. Célestine! Elle était là, je l'ai. Célestine, à propos, je vous recommande aussi cette lampe. Faites-y très attention. Si le globe se casse, on ne peut le remplacer qu'en Angleterre. Bien, madame. C'est tout, allez. Ça y est, parti. Ouf, la sale bête. Oh, tu en verras bien d'autres ici. Je vous recommande aussi cette lampe. Faites-y très attention. Si le globe se casse, on ne peut le remplacer qu'en Angleterre. Et son pot de chambre quand il est fêlé, on l'expédie à Londres? Je ne sais pas si je resterai 3 jours dans cette baraque. On dit toujours ça, puis on reste. Je me trompe peut-être, mais la patronne, elle n'a pas l'air très portée sur la chose, si. Elle a un amant quelque part? Oh non, tu penses? Et pourquoi non? Paraît qu'elle ne peut pas. Comment? Elle a une maladie. Ça la fait souffrir. Et alors, et monsieur? Monsieur, ici, c'est zéro. Il va à la chasse. C'est... Si
c'est la place de Joseph. Ah bon? Enlevez cette lampe, elle me gêne. Bravo, madame va être ravie. Comme si c'était de ma faute. C'est peut-être de la mienne. Bon, je m'en fous. Ça me fera un petit voyage en Angleterre. J'irai changer de globe. Tiens, hier soir, il paraît qu'on a tapé sur des métèques à Montparnasse. Ça, au moins, c'est quelque chose. Bientôt, dans le coin, j'en connais d'autres qui vont y passer. Pas forcément des métèques. Toujours le même refrain. Qu'est-ce que c'est, les métèques? Eh ben, regarde ta gueule dans une glace et puis t'en verras un. C'est pour qui? Pour toi. C'est l'heure de la tisane du vieux. Tiens, écoute ça. Mais pour l'honneur de notre pays, il existe une autre droite que celle-là. Sera-t-elle se vertébrer et marcher au combat unie et résolue? Un instant. Entrez, entrez. C'est vous, Célestine? Oui, monsieur. Célestine, Célestine. J'aime beaucoup ce prénom, sincèrement. Mettez ça là. Mais il est un peu trop long, vous ne trouvez pas? Et même beaucoup trop long. Si vous voulez bien, je vous appellerai Marie. Marie, c'est très joli aussi, et c'est plus court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. C'est une habitude. Et je crois bien qu'il me serait impossible d'y renoncer. Monsieur prend combien de sucre? Deux. Alors, ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Marie? C'est bien entendu? Mais oui, monsieur. Très bien. Si monsieur le permet, je vais me retirer. Non, attendez, ma petite Marie, attendez un peu. Vous avez un moment? Je suis au service de monsieur. Dites-moi, est-ce que vous aimez la lecture? Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Mais vous savez bien lire. Ah oui, monsieur. Vous savez, quelquefois, le soir, il m'arrive d'être un peu fatigué. J'aime bien qu'on me fasse de la lecture. Une jolie voix, c'est tellement agréable à écouter. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite tentative. Vous connaissez Huysmans? Non, monsieur. C'est un excellent auteur, je l'aime beaucoup. Voilà, vous allez vous asseoir ici quelques instants et vous me lirez quelques lignes au hasard. Asseyez-vous. Lisez, lisez. Puisque par le temps qui court, il n'existe plus de substance saine, puisque le vin qu'on boit et que la liberté qu'on proclame sont frelatés et dérisoires, puisqu'il faut enfin une singulière dose de bonne volonté pour croire que les classes dirigeantes sont respectables et que les classes domestiquées sont dignes d'être soulagées ou plaintes. Marie, écoutez-moi, ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet? Oh, ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre de moi, absolument rien. Vraiment, ça ne vous ennuie pas? Non, monsieur. Continuez, continuez. L'horrible tête flamboie, saignant toujours, mettant des caillots de pourpre sombre aux pointes de la barbe et des cheveux. Visible pour la Salomée seule, elle n'étreint pas de son morne regard l'héroïdia. Marie, quelle est votre pointure? Comment, monsieur? Votre pointure pour les chaussures. 35. Une minute. Ah, c'est ça, la rose des vents. Voilà, chaque soir, quand vous viendrez me voir, je vous ferai mettre ces bottines. Cela m'évoque des souvenirs, vous comprenez? Pendant la journée, ce n'est pas la peine, mais le soir, vous me feriez plaisir. Un instant. Entrez. Célestine, je vous avais pourtant demandé de faire très attention à ça. Mais madame, ce n'est pas ma faute, je vais vous expliquer. Vous n'expliquez rien du tout. De quoi s'agit-il?
La lampe anglaise, elle a cassé le globe. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je n'aimais pas cette lampe. J'espère que dorénavant, vous ferez plus attention. Oui, madame. Voilà, c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on essaye un peu de... Ouais, la mesquinerie. Bon, eh bien, ma petite Marie, qu'est-ce que vous voulez? C'est fini pour ce soir, ça suffit, vous pouvez partir. Merci. Bonsoir, monsieur. Jolie fille, et bon caractère. Bien, très bien. Vous faites les choses, mais n'allez pas dans mon cabinet de toilette, c'est pas la peine. Bien, madame. Hé là, c'est vous qui jetez des pierres? Et alors, ça vous dérange? Qu'est-ce qui vous prend? Ah, ma petite, je vous plains, vous n'avez pas fini d'en boire. Vous pouvez vous vanter de servir chez une fameuse fripouille. Pourquoi? Alors, vous voilà enfin? Ben dites donc, on peut pas dire que vous mettiez souvent le nez dehors, vous, hein? Évidemment, quand on vient de Paris. Ici, les gens sont pas assez bien pour vous, hein? Mais non, madame, quelle idée! Non, pas madame, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Rose. Pour moi, c'est plus qu'une servante. C'est une femme comme il y en a pour beaucoup. C'est à monsieur Rabourg que vous en voulez? Ben, du vieux Rabourg? Oh, pas du tout. Je m'en fous éperdument, moi, du cordonnier. C'est de son gendre que je parle, le Monteil. Un joli coco, celui-là, tiens, c'est moi qui vous le dis. Ah, vous savez, mademoiselle Célestine, il a raconté des horreurs sur nous. Il m'a reproché de partager ma table avec Rose. Non, mais de quoi il se mêle, ma table? Et si je vais lui faire partager mon lit, j'ai pas le droit, non? Bien sûr que si. Un homme seul, c'est tout naturel. Une fameuse fripouille de Montaigne, tiens, ça on peut le dire. Il est drôle, c'est un enfant, comme il est jeune pour son âge. Vous êtes bien mignonne, vous. Mais faites attention, parce qu'on commence à parler de vous dans le pays. De moi? Oui. Pas d'imprudence, surtout. Il paraît que vous et le Montaigne, eh ben méfiez-vous. Parce que les servantes à côté, quand c'est pas madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les engrosse. Pas de danger. Rappelez-vous bien qu'avec cet homme-là, pan, du premier coup, un enfant. Une fière canaille, celui-là, ah oui. Alors, Célestine, est-ce que vous vous habituez ici maintenant? Je ne sais pas encore. Et monsieur? Est-ce que monsieur s'habitue, lui? Sapristi, Célestine, faut vous habituer. Faut vous habituer, Célestine. Je tâcherai, avec l'aide de monsieur. Je parie que vous avez dû en faire des farces, vous, à Paris. Mais qu'est-ce que monsieur va penser de moi? Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit, hein? Une belle fille comme vous. Moi, je suis pour qu'on s'amuse, Sapristi. Moi, je suis pour l'amour, Célestine. Pour l'amour fou. Au nom de Dieu. Monsieur mériterait que je dise toi, madame. Madame. Je m'en moque bien de madame. J'en ai par-dessus la tête de madame. Vous croyez que je vais me laisser faire? Bon, moi, je trouve que monsieur exagère. Madame m'a toujours semblé très aimable. Aimable. Écoutez-moi, Célestine. Elle m'a gâché la vie. Je suis plus un homme. On se moque de moi partout. Vous voulez un biscuit?
veux tellement que vous soyez heureuse. Vous n'êtes pas comme ma femme, vous êtes si douce, si bonne. Si vous vouliez, Célestine. Quoi, monsieur? Vous savez bien. Monsieur voudrait que je trompe ma dame avec monsieur? Eh ben oui, je pense qu'à ça. Depuis que vous êtes ici, j'en dors plus. Écoutez, Célestine, je ne suis pas une brute, je ne vous ferai pas l'enfant. Je vous jure que je ne vous ferai pas l'enfant. Ah, monsieur, ça suffit, sinon je dis toi, madame. Que monsieur me laisse le temps de m'habituer. Elle souffre. Plus elle souffre, meilleur elle sont. Puis j'aime bien ça, moi. Quand je mets de l'ordre dans cette maison, viens, madame. Madame est là? Oui, elle est accouchée. Je viens, Joseph. Ah, ça y est, elle a l'air belle. Oui, madame. Sûrement plus de 5 kilos. Tenez, mettez-la là. Ben, Joseph, vous voulez quelque chose? Vous voulez me dire quelque chose? Oui, madame. La petite? C'est au sujet de la nouvelle femme de chambre. Célestine? Oui, madame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'y a pas longtemps qu'elle est ici, mais... Quoi? Elle parle tout le temps avec les voisins. Ah ben. Dimanche dernier, elle est revenue de la messe avec la rose. Une fois même, elle est allée chez eux dans le jardin. Voilà. Merci, Joseph. C'est très bien. Je peux tremper mon pain dans la sauce? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais l'heure qu'il est? Je croyais qu'on t'avait défendu de venir. C'est moi qui lui ai dit de rentrer. Pourquoi? Parce que... Et ta tante, comment ça va? Pas très bien. Comme d'habitude, quoi. Regarde-moi dans les yeux, toi. Regarde-moi bien fort dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je m'y vois. C'est la preuve que je t'aime bien, tu comprends? C'est la preuve que je t'ai dans la tête. Non, merci. Tu n'as pas faim? Non. Je pourrais peut-être des truffes. Ce ne serait pas la première fois que je mangerais des truffes. Tout le monde ici pourrait pas en dire autant. Où est le beurre? Beurre? Pas de beurre? Alors demandez la clé à côté. Faites-moi le pain. Tiens, pendant que vous y êtes, faites-moi passer une. J'ai pas l'habitude de servir les cafards, moi. Les quoi? Et si ça me plaît, j'irai les voir tous les jours, les voisins. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller leur dire à côté? J'entends les chiens. Ça doit être le sacristain. Tu sommeilles, toi? Viens un peu ici. Tiens,
Garde cette pomme. Entre. Bonsoir tout le monde. Vous savez qu'il pleut dehors? Il fait pas très chaud non plus, hein? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'elle fait là, la petite? Elle n'est pas mieux chez elle? Ben, elle est pas mal, là. Je vais prendre du fromage. Tiens, voilà. Eh ben, il fait bon ici. Tiens, bois un coup. Tiens, tu verras. Il paraît que dans la grève du Havre, on a blessé une vingtaine de salopards en casquette. C'est dommage qu'ils ne sont pas tous crevés. Et en Roumanie, on a tué 12 juifs. Ben, ça fait 12 de moins. C'est toujours 7 gagnés. Et l'article de Richard? Formidable. Tiens, à la tienne. À la tienne. Pourquoi parlez-vous toujours de tuer les juifs? Vous n'êtes pas patriote? Si. Ben alors? Alors moi, si j'étais à Paris, j'en creverais un tous les jours. Les ministres, le gouvernement, les juges, tout ça, c'est des vendus. C'est pour ça que tout va mal, c'est pas pour autre chose. Là, vous voyez un bolchevique et derrière lui un juif. Maintenant, on s'en prend de nouveau à la religion. Alors moi, les curés. Oui, oh, tu n'aimes pas les curés, je sais. Ah, j'aime pas les curés, mais je suis pour la religion. La religion, on peut pas s'en passer. Et je t'ai déjà dit que les curés nous aideront à chasser les juifs, tu verras. Et allez, c'est encore pour moi. Tiens, je vais coucher la petite dans ma chambre. Si vous voulez, je peux la ramener. Non, elle reste avec moi. Oh, je la mangerai pas, quoi. C'est ce que je veux dire. Bon. Bon, alors on s'y met tout de suite. Parce que je voudrais pas me coucher trop tard, hein. Allons chercher le papier et l'encre. Et surtout, ne fais pas de bruit. Célestine, à Paris, est-ce que les domestiques ont l'habitude de se parfumer? Mais madame, ça dépend. Il y en a qui se parfument et il y en a qui ne se parfument pas. Eh bien, ici, ma fille, on ne trouve pas convenable que les femmes se parfument. C'est pour raison, les domestiques, vous comprenez? Bien, madame. Emportez-le, ça empoisonne. Et emportez aussi les tasses. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, ma chérie? Toi, tais-toi. Je te défends de tourner autour de cette fille. Moi, mais... Rappelle-toi la pute Jésuro l'année dernière. Ça m'a coûté 1500 francs. Enfin, ma chérie, une fille comme Célestine, qui vient de Paris. Dieu sait tout ce qu'elle a pu faire. Elle a dû rouler un peu partout, attraper des tas de sales maladies, et tu voudrais que moi... Je te connais. Ah, non, non, non. Je reste avec vous pour passer un moment après dîner et aussitôt vous élevez la voix. C'est insupportable, je préfère remonter dans ma chambre. Bonsoir. Bonne nuit, père. Bonne nuit, père. Écoute, ma chérie, si tu te fais du souci pour Célestine, tu sais, moi, je... Je ne suis pas jalouse. Ce que je ne veux pas, c'est que ça me coûte de l'argent. Bon, alors voilà. Aux patriotes français, la France est livrée aux mains des métèques et vendue à leurs juifs. L'armée française est bafouée. L'église catholique est persécutée. Tenez-vous prêts. Bientôt l'heure de la révolution nationale sonnera. Assez de mensonges et de trahisons, assez de scandales. Non, attends, pas assez de scandales. Mais assez de pourriture, c'est plus fort. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Moi, vous voyez, je préférerais assez de scandales
Tu t'as demandé quelque chose? Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Assez de mensonges et de trahisons, assez de pourriture. Entrez, Marie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mais, monsieur, je... Quoi? J'allais me chausser. Vous chausser? Ben oui, monsieur, je... Non, pas ce soir, Marie. Laissez-moi, partez. Non, ne vous occupez pas de ça, vous le prendrez demain. Allez, partez. Bonsoir, monsieur. Vous venez me voir? Je ne me touchez pas. C'est comme petite Célestine. Alors, hein? On s'habitue? Mais laissez-moi. Monsieur sait bien que je suis une roulure. Voyons, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes filles. Non, Célestine, écoutez, la petite Célestine. Que j'ai une mauvaise maladie. Quoi? Que j'ai la vérole. Oh, nous la chienne. Célestine, écoutez-moi un peu. Merde. Vous coupez mes branches à présent. Je coupe les branches qui surplombent mon jardin. Vous avez quelque chose à dire? Je suis dans la légalité. Comment ça ne m'a pas reçu la tête? Regardez-moi ça. Non seulement vous jetez toutes vos ordures chez moi, mais en plus vous coupez mes arbres. Je vous promets que cette fois nous irons devant le juge. Nous irons où vous voudrez. J'ai des témoins cette fois-ci. Des témoins. Ah ben montrez-les un peu vos témoins. Tiens. Joseph, il a coupé mes branches. Vous avez vu, hein? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parfait. Ah, un domestique. Le domestique, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, c'est ce que nous verrons bientôt. Quelle canaille. Nous ne verrons rien du tout. Je vous y traînerai devant le juge. Par la peau du cou, s'il le faut. Nous irons quand vous voudrez devant votre juge. Et nous verrons si vous aurez le courage d'y venir. Gros dégonflé. Sale juif!
Qui est là? C'est moi, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, je ne peux pas faire le cabinet de toilette maintenant parce que... Bien fait, allez-vous-en. Et ne venez que quand je vous sonne. Marie, venez, entrez un petit moment, venez. Bien, monsieur. Plaise? Oui, monsieur. Elles ne sont pas très propres, n'est-ce pas? Non, monsieur. C'est très bien. Et vous aimeriez que je vous en montre d'autres? D'autres? Oh, je crois qu'avec celle-ci. Mais des vernis. Ah? Des très, très vernis. Ben oui, monsieur. Et en cuir jaune. Oh, en cuir jaune. Comment, mais ce sont les plus belles en cuir jaune. J'en ai, vous verrez, vous finirez par les aimer plus que les autres. Je vous remercie, monsieur. Donnez-moi la main et venez vous asseoir un moment. Tout ça doit vous paraître un peu bizarre, non? Mais enfin, à mon âge, bien des petites choses sont permises, non? Tenez, pour vous donner un exemple. Vos bottines sont sales, n'est-ce pas? Eh bien, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines, non. Je respecte beaucoup les femmes, Marie. Et ces chères petites bottines, c'est moi qui les cirerai. Là, maintenant, levez-vous un peu et marchez. Marchez un peu par là. S'il vous plaît, retroussez un peu vos jupes. Allez, marchez, marchez. Allez, allez, marchez. Allez, allez. Que je les vois remuer un peu, ces petites bottines. Que je les vois vivre, ma petite rose des vents rediviva. Montrez-moi la semelle. Oh, elle est un peu trouée, n'est-ce pas? Eh bien, je vous les réparerai. Elles seront comme neuves. Là, c'est bien, Marie. Là, maintenant, asseyez-vous, Marie. Venez. Asseyez-vous. Et maintenant, vous allez me les donner, vos petites bottines. Tout de suite. Je vous les prends, vous voyez? Et je vais les emporter avec moi. Les chères petites bottines. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, père. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Non! Voulez-vous qu'on vous le montre? Non, et je vous prie de me laisser tranquille. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez par là? Madame m'a dit de porter 2 bouteilles de vin de messe. Je les avais préparées. Vous n'avez qu'à me demander. Espèce de salaud. Vous êtes le mouchard de la maison, hein? Il n'y a rien qui me répugne plus que ça, rien. Il y a 15 ans que je suis ici, moi. Ils ont confiance en moi, là-bas. Et pour moi, c'est la chose la plus importante du monde, qu'ils aient confiance en moi. Vous pouvez pas comprendre ça, hein? Moi, j'ai mes raisons.
Et c'est sur moi que tout retombe. Vous voulez que je vous dise une chose, moi aussi? Allez-y. Vous êtes vieux et moche, et vous me dégoûtez. Et vous? Vous êtes une sacrée belle fille, Célestine. Hey! Des bouteilles. Et vous êtes une femme obéissante aussi. C'est bien ça. Ce soir, monsieur. Ce soir, Joseph. Allez. Monsieur le curé. Merci, bonjour madame. Bonjour monsieur le curé. Ça tombe bien, il ne m'en restait presque plus. Vous prendrez aussi ce gâteau, j'ai pensé vous faire plaisir, il est à l'eau de fleurs d'oranger. Oh, vous me gâtez vraiment, vous êtes trop bonne. J'ai aperçu monsieur Montel en arrivant. Oui, il prend un peu d'exercice, il est comme ça, il a toujours besoin de se dépenser. C'est un homme extrêmement vigoureux, monsieur Montel. Oui, malheureusement. Malheureusement? Pourquoi dites-vous malheureusement? Venez vous asseoir, monsieur le curé. C'est un tempérament robuste, vous comprenez? Or, c'est difficile à dire. Mais vous pouvez me le dire. Vous savez que je suis non seulement votre confesseur, mais aussi votre ami. Oui, je sais. Vous avez toute ma confiance. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous comprenez, mon mari a des exigences. Il est très fort, très actif. Et moi, je ne suis pas capable de lui donner ce dont il a besoin. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Cela me fait trop souffrir. Madame, si je vous comprends bien, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour vous. Conseillez-moi. Mais comment vous conseiller? Que vous dire? Je ne sais pas au juste. Parfois, c'est tellement difficile. Enfin, je veux dire, il y a peut-être d'autres moyens, des rapports plus... moins... certaines caresses qui... Expliquez-moi bien, il y a caresse et caresse. Et cela se passerait souvent? Mon mari est un homme si fort. Deux fois par semaine, peut-être. Deux fois par semaine? Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Si robuste que soit un homme, il n'a pas besoin deux fois par semaine de... Voyons, de toute façon, ce que je puis vous dire, c'est que vous devez n'y prendre, vous, aucun plaisir. Oh, ça, monsieur le curé... Vous pouvez en être sûr. Eh bien maintenant, madame, savez-vous que le toit de notre église menace ruine? Ah? Il faut absolument que nous le fassions réparer avant l'hiver. Madame, vous voulez bien monter? Qu'est-ce qui se passe, Célestine? Monsieur Rabour. Mon père. Je vous en prie. J'ai voulu faire sa chambre, il ne répond pas. J'ai frappé, j'ai appelé. Vous êtes sûr qu'il est dans sa chambre? C'est fermé de l'intérieur. Et par le bureau? C'est fermé aussi. Père! Père! Célestine, vous étiez chez lui il y a une heure. Est-ce que quelque chose n'allait pas? Non, madame, il était aussi normal que d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? C'est mon père, je ne sais pas, il a peut-être une crise. Et tout est fermé? Oui. Tant pis, je vais essayer d'enfoncer la porte. Je suis sûre que Joseph pourrait l'ouvrir sans l'abîmer. Mais il a été livré les barriques, madame. Avant tout, il ne faut pas s'affoler. Laissez faire, monsieur Montel. Venez par ici.
mauvais chien. On ferait mieux d'appeler un serrurier. On n'a pas le temps, laisse-moi faire. Vous permettez, monsieur le curé? Allez-y, ma fille, allez-y. Encore à rôder dans les bois, toi. Regarde, des escargots, tu les veux? Non, merci. J'ai des murs aussi. Non, non, non. Allez, viens, je t'emmène. Non, j'ai pas fini. Eh ben, tant pis pour toi. Moi, je m'en vais. Fais attention au loup! Ça nous fera plus de 40 000 francs de droit, tu te rends compte? Flûte, je n'ai pas réussi une fois depuis ce matin. Et 352 francs pour les obsèques. Madame, monsieur. Entrez, Célestine, entrez. Alors ça y est, vraiment, vous voulez nous quitter? Eh oui, madame. Et vous comptez toujours retourner à Paris? Pour le moment, oui. Je vais voir. C'est dommage, Célestine, je m'étais habituée à vous et mon pauvre père vous aimait beaucoup. Je n'avais qu'à me louer de votre conduite. Enfin, si un jour vous voulez revenir, si la place est toujours libre, écrivez-moi. Je vous remercie, madame. Au revoir, Célestine. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Adieu. Adolphe. Tiens, comment vas-tu? Tu aurais une minute? Oui, pourquoi? On voudrait te parler. De quoi s'agit-il? Alors, François, cette petite fille, elle est revenue? Oui, on l'a trouvée. Ah, à la bonne heure. Non, ne dites pas ça, on l'a trouvée, mais elle est morte. Qu'est-ce que vous dites? Comment? De quoi est-elle morte? Assassinée. Et le pire, c'est qu'elle a été forcée. Je vous assure que si vous aviez vu ce que nous venons de voir... C'est horrible. Pardon. Vous parlez de la petite Claire? Oui. Et ça s'est passé quand?
Le médecin légiste dit que la mort date de 6 jours, c'est-à-dire de samedi dernier. Tiens, le jour même de la mort de votre patron. Et où on l'a trouvé? Dans la forêt de Raillon. Justement, on voudrait bien savoir si vous n'auriez pas remarqué ce jour-là. Viens, Rose. Qu'est-ce que tu fais? Tu bavardes, hein? J'ai des lettres. Ouais, il y en a deux, capitaine. Moi, je parie que ce salaud-là est encore dans le pays, moi. Pensez donc, il doit pas être tellement bête. Il y a personne dans le pays qui est capable d'un coup comme ça. Eh ben, si sa tante était mieux occupée d'elle, ça serait sûrement pas arrivé. Comme elle est pauvre, vous verrez, on trouvera jamais l'assassin. Mais dites donc, vous, on se moque pas comme ça de la justice française. Et alors, Célestine, vous avez raté le train? Non. Amenez un petit moment. Alors, vous restez? J'ai changé d'avis. Ah, ben, c'était pas tant, ça, dites donc. Vous savez la nouvelle? Oui. Il paraît qu'elle avait le ventre vert complètement d'un coup de couteau. C'est vrai, moi, je le tiens du père Pantois. C'est lui qui l'a trouvé. Il dit que c'était une vraie boucherie. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle allait faire toujours toute seule dans la forêt? Et qui a bien pu lui faire ça, hein? Et la violer encore. Moi, je crois que c'est les deux Capucins qui étaient passés par ici la semaine dernière, vous vous souvenez? Et qui mendiaient partout. Ils avaient pas l'air très catholiques. Des moines? Mais vous n'y pensez pas? C'est Saintes Âmes du bon Dieu. Eh ben, vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, moi? Oh, je n'imprime rien, remarquez. Mais rappelez-vous un peu la petite Jésus-Roux l'année dernière. Il s'en est fallu de peu, hein? Si j'étais les gendarmes, moi, j'irais un peu voir à côté. Vous voulez dire, monsieur Monteil? Ouais. Seigneur Jésus, mais il aurait bien trop peur, le pauvre. Non, ça ne tient pas debout, voyons. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais bien cette petite fille. Innocente et si gentille. Si je le tenais, celui qui a fait le coup. Au revoir. À bientôt, hein? Eh bien, monsieur Lamps continue la tournée, hein? À bientôt. Salut. Je me demande où elle peut trouver l'argent pour s'habiller comme ça. Je rentre dans la maison. Je vous accompagne un peu. J'ai une idée. Au revoir, madame Rose. Au revoir, madame Rose. Au revoir, à bientôt. Madame ne comprend pas très bien pourquoi tu es revenue. Pourquoi? Parce que... Bonne idée que vous soyez revenu, Célestine. C'est gentil. Donnez-moi ça, je vais le faire. Je les aime bien comme ça, moi aussi. Ah, dame, c'est qu'on ne connaît pas les gens du premier coup. Les femmes surtout, c'est le diable à connaître. Mais vous, maintenant, je vous connais bien. Vous me connaissez? Alors dites-moi ce que je suis. Ce que vous êtes. Vous êtes comme moi. Comme vous? Oui. Oh, pas de visage, bien sûr. Moi, je suis vieux et moche. Mais dans le fond de l'âme, c'est la même chose. Je sais bien ce que je veux dire, hein. Le jour de la mort du patron, c'était bien samedi? Oui, je crois bien. C'est bien le jour où vous avez porté des barriques à l'entrepôt? Oui, peut-être. Tiens, juste le jour où la petite Claire est morte.
Vous êtes passé par la forêt de Raillon? Bien sûr. Toujours j'y passe, c'est bien plus court. Et Claire, vous ne l'avez pas vue par hasard? Non. Ah, les sacrées bonnes femmes, va. Vous feriez mieux de penser à autre chose. Vous feriez bien mieux. Je vous le répète. Pensez ce que vous voudrez, mais vous et moi, nous sommes pareils. Nos deux âmes sont pareilles. Les fleurs, oui, si. Tiens. Tu vois? Arrête, voyons. Cette fois, je vais lui casser la figure. Je vais en finir une fois pour toutes. Allons, mais n'oublie pas que nous sommes en deuil. Qu'est-ce que ça peut faire? Allez, viens. Donné hier. 25 francs? Il manque 38 sous. Mais alors, c'est pas moi qui les ai pris? Non, c'est le chat! Tiens, Célestine! Je ne m'attendais pas à cette visite. Qu'est-ce qui vous amène? Moi, j'allais faire des commissions. Dites donc, vous trouvez pas que vous allez un peu fort, monsieur? Moi? Hier, vous avez encore jeté des ordures par-dessus le mur. Elles sont presque tombées sur la tête de mon patron quand il est monté dans la voiture. Comme si j'avais à prendre des gants avec ce salopard. Hé, vous rentrez un petit moment? Oh non, merci. J'ai des courses à faire. Et alors? Il est crevé, hein, le cordonnier? Qui? Le cordonnier, le vieux. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Tiens, je me gênerai peut-être. Hé. Vous savez ce que vous devriez faire? Quoi encore? Vous devriez déposer une plainte contre Montaigne. Une plainte? Oui, parfaitement, une plainte carabinée. Pour outrage aux mœurs, c'est attentat à la pudeur. Il n'y a pas de raison. Mais comment il n'y a pas de raison? Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, voyons, je ne peux pas. Mais non, d'un chien assez simple comme bonjour. Vous allez à la gendarmerie, vous nous faites citer comme témoin, Rose et moi. Et après, nous venons témoigner, nous avons tout vu. Absolument tout. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous en faites pas. La parole d'un soldat en ce moment, surtout, c'est tout de même quelque chose, tonnerre de Dieu. Et après ça? Rien de plus facile que d'englober là-dedans l'affaire du viol. Hein, vous savez, la petite Claire? Vous n'êtes pas très sérieux, capitaine. Je dis ce que je ferais si j'étais à votre place. Après, c'est tout. Hé! Et autre chose. Quand Rose sera pas là, il faudra venir me voir, hein? Ben quoi, ça aussi, c'est une idée. Me voyons, monsieur. Si, si, il faudra venir. Promis. Consenti à me rendre à cette convocation. Mais avant tout, je voudrais savoir si monsieur a des témoins. Des témoins? Et toutes les cochonnées qu'ils jettent chez moi du matin au soir, les voilà mes témoins. Qu'en dites-vous, capitaine?
sur l'honneur, je donne ma parole de soldat que je n'ai jamais rien acheté chez lui. Rien ? Rien. Eh ben ça, c'est un peu raide. Il n'arrête pas. Du matin au soir, il n'arrête pas. Et tout le monde sait bien que ces objets sont à lui. Vous les avez conservés ? Ben non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vieux chapeaux ? Je les ai brûlés. Alors ? Ben, tout le monde est au courant, ça n'arrête pas. Il coupe nos arbres, il tend des pièges à nos chats. En plus, il ment comme il respire. Je suis un menteur. Ah, et comment ? Espèce de vieille crapule. Vous entendez, monsieur le juge ? Du calme, du calme. Permettez-moi de vous dire, cher monsieur Monteil, qu'il est bien improbable qu'un vaillant soldat, un officier, ayant gagné tous ses galons sur les champs de bataille, s'amuse à jeter de vieux chapeaux dans votre jardin comme un gamin. En ma personne, cet homme insulte l'armée. Restez calme, surtout restez calme. Étant donné aussi que vous n'apportez aucune preuve. Ah, canaille. Mais vous vous êtes un parvenu, un embusqué. Moi ? J'ai été mobilisé, monsieur, j'ai fait la guerre. Ha ! Aux Invalides ? Et alors ? C'est déshonorant ? Les Invalides ? Assez, messieurs. Bonjour, monsieur le curé. Comment va le capitaine ? Toujours vaillant, monsieur le curé. Venez, j'espère que l'an prochain, à la préfecture, nous aurons encore de belles fleurs. Comment ? J'espère que l'an prochain, à la fête Dieu, nous aurons encore de belles fleurs pour le reposoir. Oh, mais certainement, monsieur le curé. Toutes mes amitiés au capitaine. Au revoir. Merci, monsieur le curé. Alors, ça s'est bien passé ? Ah, ma petite Rose, ce soir, tu vas me jeter un petit lapin au vin blanc, hein ? Ça, c'est l'idée ! Mon Dieu, quel enfant ! Célestine, venez. Moi ? Oui. Où on va comme ça ? Quel ordre ici ? Plus d'ordre que vous ne pensez. Tenez, vous allez me donner un coup de main. Je ne suis pas très fort pour les reprises. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi ? Parce que j'aime mieux que ce soit vous. Il y a tout ce qu'il faut sur la table. Me dites donc, je ne suis pas à votre service, moi. Remarquez, si vous ne voulez pas, tant pis. Si une autre fois vous venez fouiller dans mes affaires, il faudra tout remettre en place. Ces boîtes d'allumettes étaient mises comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouviez bien chercher, hein ? J'ai vu aussi que vous aviez tripoté dans mon coffre. Vraiment, vous manquez pas de culot, hein ? Vous avez de mauvaises idées sur moi, c'est ça ? Vous pouvez regarder partout. Vous pouvez fouiller dans mon linge, dans mon armoire, et même là-dedans. Vous ne trouverez jamais rien, rien de rien. Vous croyez ? Sûr. Alors écoutez-moi. Oui ? Moi, je crois que c'est vous qui l'avez tué, la petite Claire. Voyez bien, quand je vous le disais, vous avez de mauvaises idées sur moi. Je connais vos pensées, allez. Je connais tout ce qui se passe dans vos pensées. Vous me faites peur. Peur ? Pourquoi ? Je crois bien que vous êtes un bandit. Un bandit, moi ? Vous parlez sérieusement ? Mais regardez, tenez, j'aime l'armée, et la religion, et l'ordre, et ma patrie par-dessus tout. Regardez-moi bien. Vous croyez que je mens quand je dis que j'aime tout ça ? Non, vous ne mentez pas. Et un bandit aimerait tout ça ? Allons, dites-moi que c'est vous qui l'avez tué, la petite Claire. Il ne s'agit pas de la petite Claire. Il s'agit de nous deux maintenant.
Je rêve de vous. J'ai laissé en tourner de vous, ma petite Célestine. Pour moi, il n'y en a pas d'autre que vous sur la terre. Il faut que nous nous mettions ensemble, tout de suite. Ça ne se peut pas maintenant. Pourquoi ? Ce que je dis une fois, je le dis toujours. Faut attendre encore un peu. Attendre quoi ? Attendre un peu. Si c'était seulement pour s'amuser, alors bien sûr, mais c'est sérieux. Je pense à vous pour toujours. Bonsoir, monsieur. Célestine. Tu veux? Écoute, ma chérie. Attends, laisse-moi tranquille. Est-ce que monsieur le juge est là? Oui, il est là. Vous vouliez le voir? Oui, je voulais lui parler d'une chose très importante. À quel sujet? C'est au sujet de la mort de la petite Claire. Monsieur le juge est occupé pour le moment, si vous voulez attendre. Un certificat de domicile récent. Délivré par le commissariat de police. Et les cartes des environs. Portant l'estampille habituelle. Point de vue. De présentation. On prendra le refus de l'estampillé. Et dans certains cas, la démarque immédiate de la voiture. Excusez-moi, je suis très pressée aujourd'hui. Je reviendrai.
Célestine. Je suis content de vous voir. Justement, je viens vous parler. Comment ça va? Vous venez prendre un café? Ah non, merci, je suis pressée. Bon, alors, je vous accompagne. Comment va Rose? Rose, j'ai foutu la peau. Comment? Parfaitement. Comment ça se fait? Ça faisait 10 ans qu'elle était chez vous. 12 ans. Et c'était une si brave femme. Elle connaissait si bien vos goûts, vos habitudes. Elle vous était si dévouée. Ah, je pense bien. Et je pouvais pas manger les asperges à l'huile, par exemple, parce que madame ne met pas ça. Non, en réalité, j'en avais assez de rouge. D'ailleurs, elle fichait plus rien dans la maison. Et tout lui appartenait. Mon fauteuil Voltaire, par exemple. Ben, j'avais plus jamais. Elle prenait tout le temps. D'ailleurs, elle me prenait tout. J'avais plus rien à moi, tonnerre de Dieu. Et quand, par malheur, je causais avec vous, c'était des histoires à n'en plus finir. Elle était jalouse. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que je vais faire, ben, ça dépend de vous. De moi? Oui, de vous seul. Comment ça? Allons, parlons carrément, un soldat, là. Célestine, voulez-vous que je vous épouse? Mais vous êtes, vous? Et pourquoi pas? Je suis plus âgé que vous, je le sais. Mais quel âge avez-vous? 32 ans. Et alors? Je ne sais pas très bien faire la cuisine. Ben, nous aurons quelqu'un pour la faire, la cuisine. Et puis, il y a cuisine et cuisine, hein? Et celle que je vous demande. Alors, qu'en dites-vous? Moi, je ne sais pas, moi. Laissez-moi réfléchir, au moins. Eh bien, c'est ça. Réfléchissez. Mais vite, hein? Quelle heure est-il? Tu ne le vois pas? Tu veux approcher de vin, s'il te plaît. Tu bois trop de vin, je te l'ai déjà dit. Célestine n'est pas là? Elle avait mal à la tête, elle est allée se coucher. Ah bon? Ça va, ça va. Je t'ai déjà dit que j'aime pas le tilleul le soir. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Vraiment, ce n'est pas bien. Je vous l'ai déjà dit. Si c'était seulement pour s'amuser, alors oui, tout de suite. J'hésiterai pas. J'en ai connu des femmes. Mais vous, c'est pas la même chose. J'ai des idées sur vous. Quelles idées? Des idées. Mais quoi? Je voudrais bien que vous soyez ma femme, Célestine. Moi, votre femme? Oui. C'est bien réfléchi. C'est pourquoi je ne veux pas avant que le prêtre y passe. En ce moment, je connais une bonne occasion pour nous. Chez moi, à Cherbourg, il y a un petit café qui est à vendre. Cherbourg, c'est une ville de soldats et de marins. Le commerce y est bon. On gagnerait des 1000 et des 100 tous les deux, je vous en réponds. Avec une femme comme vous, gentille et mignonne, ça vous plairait? Moi? Bah, enfin... Vous êtes une femme comme il faut. Une femme d'ordre. Et puis, gentille et pas peureuse. Sûr. Toute la garnison de Cherbourg sera à vos genoux. Alors vous voudriez que je fasse la putain pour vous? Faut pas voir les choses comme ça.
C'est une affaire, une belle affaire. Je vous en parle maintenant, mais ça pourrait ne pas se faire avant 4 mois ou même 6 mois. Et pourquoi pas maintenant? Parce que ça ne se peut pas maintenant. Faut attendre. Puis il faudrait le repeindre, le petit café. Y mettre une enseigne, à l'armée française, peut-être. Et vous avez de l'argent, vous? Un peu, oui. Pas ici, naturellement. Je sais pas combien exactement. C'est que l'argent, ça fait des petits. Et puis, de temps en temps, la politique, ça paye. Puis, il y a autre chose aussi. Une autre affaire, très importante. Je vous en parlerai. Faut que je l'achète, ce petit café. La révolution qui vient, la révolution, il n'y a rien de mieux pour les cafés. Si je vous disais que je viens dans le petit café, est-ce que vous voudriez maintenant? Célestine, j'ai la tête dure. Ce que j'ai dit une fois, je le dis toujours. Oh, je le sais. Je l'ai assez entendu. J'en ai marre. Marre de vous et de tout le monde. D'ailleurs, je vais partir. Et tout de suite. Et pour votre petit café, vous en trouverez une autre. Il n'y en a pas d'autre que vous, Célestine. Même si vous avez de mauvaises idées sur moi. Je le sais bien. Écoutez une chose. Si vous me jurez, là, qu'à Cherbourg vous serez ma femme, alors oui. Vous le jurez? Oui. Bien. Joseph, dis-moi que c'est toi qui l'as tué, la petite Claire. Tais-toi. C'est de me laisser travailler en paix. Je voudrais bien. Et alors? Plus de cartouches. Faudrait que j'en achète, mais... Je t'ai donné 15 francs lundi. N'en reste plus. Ah bah tant pis. Viens. Eh bien, Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Madame, monsieur, nous, je voulais vous l'annoncer, nous allons bientôt nous marier, Célestine et moi. Vous allez vous marier avec Célestine? Oui, madame. C'est sérieux, ça? Oui, monsieur. C'est très bien, mais alors Joseph fait le service. Que madame ne s'inquiète pas, nous ne partirons pas tout de suite. Dans quelques mois, peut-être. Enfin, le temps de trouver des remplaçants. Le temps qu'il faudra. Vous allez nous manquer, Joseph. Et vous aussi, Célestine. Enfin, vous êtes libre, j'espère que vous serez heureux. Nous irons peut-être nous installer chez moi à Cherbourg. Il y a un fonds de commerce qui m'intéresse. Je vais faire un tour avec mon chien. Bon, eh bien, il faudra que nous fêtions ces fiançailles un de ces jours. Tenez, pendant que vous êtes là, vous allez m'aider à déplacer la table. Prenez le vase, Célestine. Et enlevez ça, s'il vous plaît. Attention, elle est très lourde. Ah. Monsieur Papy. Merci, Célestine.
Alors, Marianne, cette lessive, ça marche? Oh oui, monsieur. Ah, Marianne, hein? Vous avez dû en faire des blagues quand vous étiez jeune, hein? Moi, monsieur? Des blagues? Je travaillais toute ma vie, monsieur. Vous êtes une femme comme une autre, non? Je vais vous dire une chose, moi j'aime qu'on s'amuse. Je suis pour l'amour. Je suis pour l'amour fou dans la chien. C'est vrai, petite Marianne. Vous savez, il y a longtemps que je pense à vous. Il y a longtemps que je vous regarde. Oui. Écoutez, si je venais faire un petit tour dans votre chambre ce soir. Qu'en êtes-vous? Vers 10h ce soir. Petite coquille, hein? Allons, allons, allons. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est le sacristain. Entre! Bonsoir. Bonsoir, Maurice. Ça ne fait rien qu'elle soit là. On peut parler maintenant. Tiens, assieds-toi. Alors, et ce meeting, c'est toujours pour dimanche? Oui, oui, toujours. On partira d'ici à 4h du matin pour être là-bas à 9h. Je crois que cette fois-ci, on va leur chauffer les oreilles. Tiens. Regarde, le petit cadeau que je me suis fait. Tu l'emportes? Tu parles. Tu as les tracts? Oui, bien sûr. Tiens, les voilà. T'en as combien? 250. Eh bien, on en prend la moitié chacun. On les distribuera partout, même chez les Républicains. S'ils nous foutent à la porte, on verra bien. Les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils nous valent? Va t'en savoir. Célestine. Tiens. Viens t'asseoir. Et bonsoir. Bonsoir, brigadier. Quel bon vent vous amène? Eh bien, on passait par là, puis alors on s'est dit que Joseph vous offrirait peut-être une petite goutte, histoire de se réchauffer un peu. Eh bien, ça tombe bien. J'en ai de la fameuse. C'est qui commence à pas faire chaud le soir? Ah, ça, il fait bon au soleil, mais dès qu'il est couché, on commence à geler, hein? Oh là là là. Comme ça qu'on attrape du mal. Oui, oui. Eh bien, dites donc, vous êtes drôlement bien installé, c'est impeccable. Dis donc. Si ta chambre était rangée comme ça, là, tu perdrais pas 10 minutes à chercher ton ceinturon le matin, quoi. Bon, allez, à la nôtre. Hein.
À la bonne vôtre. À votre bonne santé. Santé. Votre santé, mademoiselle. Merci. On y revient? Non, 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 non. Faut qu'on s'en aille. Ah, oh, si demain, je remarquais, il fait bon ici. Mais service avant tout, hein. Oh, vous n'allez pas partir comme ça. Allez, le dernier, quoi. Allez, en vitesse, c'est l'heure, parce qu'on n'a pas le temps, hein. Et dites-donc, à propos, il paraît que nos amis les braconniers commencent à se remuer dans le secteur, là. Alors, si vous envoyez un rôle départ ici, vous n'hésitez pas, un petit coup de téléphone, hein. D'accord. Tiens, pendant que j'y pense, pour rappeler le jour de la mort de M. Rabou. Oui. Le jour-là, par hasard, vous vous rappelez pas si vous êtes passé par la forêt de Rayon? Non, enfin, peut-être bien, j'y passe toujours par la forêt. Et la petite Claire? Vous l'auriez pas rencontré des fois dans la forêt, là, deux ou trois jours avant qu'on la trouve? Ah non, sans cela, je vous l'aurais dit au début de l'enquête. Oui. Et ce bout de fer, là, ça vous dirait rien, par hasard? Mais c'est un bout ferré, faites voir. Tout le monde en a, des trucs comme ça. J'en ai, moi. Ah oui? À tous vos souliers? Oui. Tiens. J'en ai perdu un. Il est à moi? C'est bien le vôtre? Ben, on dirait, oui. Ben, figurez-vous qu'on a fini par le trouver ce matin dans l'herbe. Juste à l'endroit où la petite a été tuée. Vous vous rappelez? Tiens, tiens. Et allez. Suivez-nous. Pas de chance, Célestine. C'est pas ces chaussures que je portais le jour de la forêt. Allez, emmène-le. Et vous aussi, venez. Moi, ben, je suis pour rien là-dedans. Allez, allez. Bougez pas, s'il vous plaît. Merci. Ah, montez. Mais capitaine, je suis en retard. Je vous prie de bien vouloir excuser ma femme qui a eu une sorte de malaise. Tout à coup, il m'a fallu rester. Ah, oh, mais c'est pas grave. Non, 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 je ne crois pas. Vous êtes des nôtres, hein? Bien sûr. Eh ben, embrassez la mariée. Allez, venez, venez. Toi, tu m'attends à l'écurie, hein? Et toi, tu vas au potager commencer avec les châssis. Marianne, qu'est-ce que tu fais là? Tu es folle?
J'arrose, monsieur. Allez, va nettoyer mes bottes. Oh. Et il fait pas chaud ce matin. Quelle heure est-il? 9h par là. Oh, tiens, passe-moi la serviette. Mais non, pas celle-là, l'autre, là, sur le guéridon. Et tu es triste. Ça va pas? Non, ça va. Tiens, enlève-moi le plateau. J'ai une nouvelle qui va te faire plaisir. J'avais fait mon testament depuis longtemps, mais c'était une erreur. Je donnais tout à l'Académie française. Nom d'un chien absurde. Mais je l'ai refait hier. Tu verras. Hein. Demain matin, je vais accompagner Montaille à la chasse. Il faut le reconnaître, c'est un brave garçon. Tout le contraire de sa femme. Une vache de tonnerre de Dieu, celle-là. Tiens. Et ce procès, comment ça se passe? Ah oui, c'est vrai. J'oubliais de te dire. Hier soir, quand j'ai vu le notaire, il m'a dit que ça s'arrangeait pour Joseph. Il n'y a pas de preuve décisive contre lui, on le relâcherait bientôt. Il n'y aurait même pas de procès à ce qu'il dit. Ça m'étonnait aussi, moi je le connais, Joseph. Un vrai patriote. Pas vrai? Hein? À moins que ce soit une canaille, c'est bien possible. Demandez l'action française, journal du Parti royaliste français, demandez l'action française. Vive Dieppe! 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 Vive Dieppe!